Vous savez, normalement, il ne devait pas faire des vidéos aujourd'hui. Hein. Normalement, il ne devait pas faire de vidéos sur Secret Story. Pas avant la finale. Vous voyez, non. Je voulais faire une vidéo après la finale. Mais l'adrénaline est là. L'énergie est là. Donc là, je suis là. Oui. Ben, je ne pouvais pas faire une vidéo, mais ça ne sera pas chic. Voilà, c'est ce qui est chic là pour vous aimer. Donc là, j'ai vu que là, l'adré était là, donc il a été posé ma caméra. Aujourd'hui, je vais venir parler, donner mon avis sur les candidats de Secret Story sur lesquels je n'ai pas encore écouté. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, on va pas durer longtemps. On va prendre Akram. Vous savez, Akram là, il m'énerve pas, hein, mais il me plaît pas aussi. Et c'est parce que vous voyez le truc. Il me dit rien tout court. Vous voyez le. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, depuis là, je ne sais pas quoi dire sur lui, à part son aventure avec Nika. Mais, Akram, il faut reconnaître que c'est un bon joueur. Hein. Akram, il est fort. Hein. Il n'allait peut-être jamais parler de lui avant la finale. Mais, deux jours là, quand Nika est rentré dans la pièce secrète, ce qu'il a fait là, non. Le GOAT, le cousin de Francis Mvemba, c'est toi. Francis, c'est Akram Mvemba, c'est toi. Akram Mvemba. On peut jouer avec deux gos comme ça. Ah, Akram, toi tu es sûr que toi tu aimes Nika. Faut dire la vérité. Dis la vérité. Et dès qu'elle se va net, toi tu la remplaces par Cathy. Ça c'est quoi ça? Cathy, mais elle aussi, hein. Cathy, elle aussi, la solidarité féminine, tu connais pas. La solidarité féminine, toi, je connais pas. En tout cas, Akram, bof, bon joueur. Il a trouvé un secret. Ça, non, deux secrets ou un secret, je sais plus, stratège, mais ce côté-là, il n'a qu'à revoir. Toi, Akram, toi, tu es parti, tu avais su Ange la dernière fois, que Ange se moque des Bériches, genre, on se moque des Bériches devant Ange, et puis lui, il dit rien. C'était pour faire ça, là. C'était pour faire ça. Non, hein, Akram, pas frivolito. Frivolito, le fond frivole, avant de parler de Ange, balaise devant ta porte. Actuellement, s'il est éliminé, il m'en fout, hein, voilà, il m'en fout, voilà, mais il mérite la finale. Il y a un chemin quartier aussi, ouais. Toi aussi, Cathy. Cathy aussi, elle me disait. Genre, elle est joueuse, comme j'ai dit dans les autres vidéos. Mais elle me disait pas grande chose. Genre, elle est là, quoi. Elle m'énervait pas. Elle me plaisait pas non plus. Bon, elle est là, on faisait avec, quoi. On faisait avec. Mais, elle mérite la finale, celle-là. Elle est très intelligente. Trouver trois secrets, toi seul. Bravo. Voilà. Maintenant, c'est quoi ça, là? Pourquoi tu te fais passer pour la victime? Hein? Tu savais très bien ce que tu faisais. Et toi, tu es un enfant. Allez. Tu savais très bien ce que tu faisais. Et puis, tu dis que toi, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Ça, c'est ton problème. Hein. Mais tu savais très bien ce que tu faisais. Faut pas que tu te fais passer trop pour la victime dedans. Parce que le gars t'a bien dit que tu es la dernière personne avec qui il aurait une relation dans la maison. Mais quand même, tu as tenté. Donc, faut pas que tu venir faire jouer ici. Hein. Non, tu vas pas nous manipuler. Hein. Tu vas pas du tout nous manipuler. Sinon, tu es bien. Ange toujours. Chaque fois qu'il doit te poser ma caméra, toi, il doit parler de toi, quoi. La dernière fois, là, mais il voulait que tu sautes. La dernière fois qu'ils t'ont mis dans le sas, il voulait que tu sautes parce que tu es trop. Vous, 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 vous. Tu es partout. Un chat, tu es comment? Ils n'ont qu'à faire, ils vont te. À toi, Maï. Toi, apparemment, Malène t'a confié un très par terre. Maï, c'est quoi tu veux faire là? C'est quoi tu veux faire là? Tu n'es pas une bonne amie, Maï. Maï. La solidarité féminine, toi tu connais pas, hein? Solidarité féminine, non. You are not there, you are not here, ok? Élimination de Tracy qui est sortie. Hey Tracy, hey. Moi Tracy, elle me plaisait un peu quand même, enfin, elle était grave belle. Oui, je la trouvais aussi véridique. Elle disait la vérité. Elle faisait chauffer la maison. Voilà. Toi, Maï, Tracy te dit que ce que tu as fait est ange là. C'est pas bien, tu commences à crier, tu commences à pleurer. Ça c'est quoi? Elle a raison quand tu veux faire, on dirait c'est pas vrai. Aïe. Elle a raison. Tu as vu que tout laisse. Ange maintenant t'a dit quoi? Ange t'a dit quoi maintenant? Que tu es sa petite soeur, tu es sa bonne petite soeur. Non, Ange me tient. Pas frivolito. Non, pas Emma. Moi je pensais pas que Emma allait arriver au final. Hein. Aïe. De quel. Ici là, il dort, on dit que pas Emma au final. D'une part, il me disait que soit on l'élimine. Soit il va faire comme ça, jusqu'à on va l'éliminer aux portes de la finale. Vous voyez Kélian, il voyait pas Emma comme Kélian de Secret Story de saison 12 là, où il y avait les loups dedans. Mais pas Emma a fait quand il arrive en finale. Mais comment? Donc ce qui veut dire qu'il reste 3 places au final, puisque pas Emma est en finale. Là, il reste 3 places. Qui sera là-bas? Il y aura déjà Aura. Et puis Cathy.
Donc, qui sera quatrième personne qui sera à côté de des trois? Vous allez voir Akram. Mettez Akram comme ça. Les gens vont savoir s'ils doivent voter Kassi ou bien Akram. Parce que les deux ont à peu près les mêmes fans. Vous voyez, non? Soyez stratèges, les amis. Si vous mettez Kassi, Akram ensemble en finale, ça peut passer. Ange, on le boit parce qu'on veut que Awa gagne. Vous voyez, non? Ange, on commence à le boire dès maintenant parce qu'on veut que Awa gagne. Voilà, Naï aussi, elle va sauter parce qu'on ne comprend pas trop son utilité. De toute façon, son secret a été dévoilé par Awa. Félicitations, Awa. Voilà. Donc, au final, je pense qu'il y aura Awa, Paima, Kati et puis Akram. Awa, on te sauve. Tu as les 20 millions. Voilà, c'est bon. Nika aussi va sauter. Nika même. Je l'ai même pied. Elle doit partir. Elle doit partir. Maintenant, toi, Ange. Dès que tu sors, ben, tu as sorti. Donc, dès que tu sors, tu viens payer les produits Dre Air. Oui, parce qu'à Abidjan, deux jours, il y a les produits, les garçons utilisent, tout le monde utilise pour les cheveux Dre Air. Voilà. Kitari, viens payer les produits de Dre Air. Tous les enfants l'utilisent à Abidjan. Ils ont bas partout, ils ont cheveux partout. Tout le monde l'utilise. Même moi-même, maman, même va utiliser bientôt. Il y a deux produits. Il y a un spray à l'eau et puis un sérum d'huile. Le spray à l'eau, là, c'est quand tu veux sortir. Voilà, tu veux sortir. Et puis tu veux que tes cheveux soient bien frais. Tu fais pich. Tu sors. Le spray à l'eau, si tu as les démangeaisons, tu prends, tu fais pich. Tu vas voir la magie. Ça ramouille les cheveux. Maintenant, le sérum d'huile là, c'est pour faire pousser les cheveux, pour fortifier les cheveux. Voilà, tu vas avoir beaucoup de cheveux. Toi, Awa, faut venir prendre. Awa, viens prendre ce sérum d'huile. Tu vois, oui. Tu mets ça sur ton cuir chevelu, tu appliques bien. Tu as pris, tu vas voir les résultats. Donc voici les numéros, contactez les amis, contactez-la. Maintenant sur les réseaux, vous avez menti, hein. Les réseaux, vous avez menti là-bas. Ça me plaît pas, arrêtez ça. Arrêtez cet esprit de mensonge que vous avez parce que c'est pas bien. Quelqu'un est sorti là-bas un bon matin, la personne dit que la personne va s'élever pour dire que le secret de Berich, c'est qu'elle voit dans l'avenir. Pourquoi vous faites ça, hein? Pourquoi vous faites ça? On vous a fait quoi? Donc tout le monde aussi a commencé à croire que Berich, son secret, c'est qu'elle voit dans l'avenir. Déjà, la fille, c'est pas son secret qu'elle a là. Le secret de Berich, c'est qu'elle est somnambule. Ça, c'est quoi ça là? Arrêtez ça. En tout cas, bon, son élimination m'a pas trop fait mal. Hein. Son élimination m'a vraiment pas trop fait mal. Maintenant, toi, Yanami, toi, c'est quel avenir tu vois? Et puis depuis là, tu vas sortir pour nous dire que c'est telle personne qui a gagné, c'est grâce à toi, tu vas sortir pour nous dire ça. C'est quand ça va, il faut attendre. C'est quand on va finir là. Secret Story va finir là. C'est maintenant les gens vont faire des captures pour dire que ah, Yanami avait dit. C'est faux. Yanami n'a rien dit ici. Yanami n'a rien dit ici. Bon, lui aussi, ça m'a fait trop mal. Hein. Ça m'a pas fait trop mal. C'est pour stresser celui qui m'a fait mal. Quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. C'était mon avis sur ces candidats là. Bon, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une petite vidéo. Voilà, ami parcours. Je pense que ça sera la troisième vidéo sur Secret Story. J'espère que vous aura plu. J'espère que j'ai réussi à vous partager un peu de mon énergie. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.